Eh bien, monsieur le président, merci. C'est un grand moment pour la science. Aujourd'hui, donnez-moi votre petite main, monsieur le président. C'est un grand moment pour la science. Voilà, c'est bon. Pour la première fois au monde, la Solex va franchir la science. Et encore bravo pour votre témérité. Au revoir. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. À vous poser, comment oui. s'est passée cette escapade, cette traversée, on peut parler. Bah écoutez, ça s'est plutôt bien passé. D'accord. Au début, j'ai eu quelques petits problèmes avec le démarrage de la propulsion. Oui, je l'ai vu. Parce que j'étais obligé de démarrer sous l'eau, parce que, à cause d'un problème de refroidissement. Oui, il faudra qu'on voit un peu ça. Oui, oui. Après, au niveau de la traversée, ça s'est bien passé. C'est plutôt quand j'étais dans le chenal, il y avait beaucoup de boue et là, il y a un petit problème d'adhérence. D'accord. Il faudra qu'on revoie ça. Ben, ça. C'était un peu prévu hein, qu'il y ait un tas de petits soucis comme ça. Bon, ben, je pense qu'autrement, la sortie de l'eau s'est plutôt bien passée. Oui, oui, c'était pas mal. C'était bien. Mais je pense effectivement mettre des pneus neige la prochaine fois. C'est une bonne, voilà. une bonne chose à régler. Ouais. Sinon, moi, j'ai l'impression qu'on a réalisé le rêve de beaucoup de solexistes. Oui. Je pense que la France entière sera heureuse d'avoir vu qu'il était possible de nager sous l'eau avec un solex. Tout à fait. C'est une grande première. Voilà. Ouais, puis donc, on va attendre les résultats de l'armée, puisqu'ils font aussi les mêmes exercices aussi, mais en mer cette fois-ci. Du côté de la Corse, là-bas. Donc on verra, et puis après on prendra les décisions qui s'imposent. Alors c'est vrai que l'eau de mer pose encore quelques problèmes, et l'an prochain il n'est pas dit que nous ne fassions pas nous-mêmes en mer. Ah. Et l'AVC d'ores et déjà a commandé un véhicule pour nous amener là-bas, et nous allons faire effectivement une nouvelle sorte de propulsion. Ah ben je l'apprends, écoutez, c'est très bien, j'en suis très content de cette nouvelle. Ah ben monsieur le président, c'est un grand plaisir de vous serrer là. C'est vraiment un grand moment que nous avons vécu, et je vous propose maintenant qu'on se retourne vers l'avenir. Pour équiper un deltaplane, j'ai entendu. Ah, oui, non, notre prochain projet, nous ne pouvons pas vous le dévoiler, mais il est vrai que du haut de la range de Solutré, la Solex peut s'envoler. Oui, enfin, c'est possible. Et nous comptons sur vous, monsieur le président, pour faire les premiers essais. Oui, oui. Voilà, et bien on vous remercie beaucoup. Oui, t'inquiète. Donc bonjour, je suis actuellement en train de faire un reportage. C'est dans cette petite commune que nous retrouvons ces gens qui vont aujourd'hui nous présenter leur Solex.